Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux que tu prennes encore une minute pour acclamer juste Jésus. Yes. Juste l'acclamer. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Amen. Acclamons, acclamons, acclamons. Il est digne de recevoir l'acclamation. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne. Je vous dis la vérité. Il Amen. Est digne d'être acclamé. Amen. Samadei wa inna asla sawa an asra. Acclame, acclame, acclame. Parce que en acclamant, tu déclenches quelque chose dans ta vie ce soir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur Jésus, nous t'acclamons parce que tu es digne. Nous t'acclamons, nous te célébrons. Tu es notre Père, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et à cause de toi, nous sommes bienfaiteurs. Et pour cela, nous sommes présents. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation au Roi de gloire. Nous te bénissons, Jésus. Nous voulons l'adorer ce soir pour lui dire combien nous l'aimons. Amen. Comme j'ai dit à Yaoundé, vous voyez, frère, dans des moments comme ceux-ci, on ne s'attend même pas à voir des bienfaiteurs. Parce que chacun a ses problèmes. Mais toi, tu t'es engagé à être là. Ça, tu es un héros. Amen. Tu es un héros dans l'armée de Christ. Amen. Ce n'est pas un temps où quelqu'un va dire que je vais soutenir l'œuvre de Dieu, sincèrement. À moins que la personne n'ait une relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je pense que cette personne ce soir, c'est toi, c'est moi. Amen. Et donc nous voulons lui dire merci, nous voulons l'adorer, lui Amen. Dire de nous bénir encore. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Et nous sommes son peuple ce soir. Amen. Nous voulons juste lui dire que nous l'aimons, exprimer notre amour à travers nos mots, nos faibles mots. Amen. Commence à lui dire merci, commence à l'adorer. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Autre afin d'exhaler les parfums de ta Seigneur, voici ma vie, voici ma vie. Jésus est ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Ma vie, ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Jésus, voici.
connais toute ma vie. Ma vie, je te donne toute ma vie. Élève ton âme à Jésus. Recommande-lui ta vie ce soir. Ma vie, tu connais mes limites, mon Jésus, je t'en supplie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Bless Breden, Untamen Ademash Kratama Ade. Seigneur, voici ma pauvre vie. Je la place sur ton autel. Ton autel. Yahvé,
Yahvé, Yahvé, tu es souverain, souverain dans tes voix. Je chante Yahvé. Thank you.
seul Dieu. Et Jérémie Moulemla, Jérémie Mouraï Felmagé, Elohim, c'est toi. Et ma bouche ne proclame que ton nom. C'est toi mon Dieu, je n'ai pas d'autre Dieu. C'est toi seul que je prie. C'est toi mon Dieu, c'est toi mon Dieu. Dieu dans ma vie, Seigneur, c'est toi mon joker, c'est toi qui es mes godasses. Jérémy Moulemla, c'est vraiment agaçant. Commence à parler à Dieu, dis-lui qu'il est, c'est lui tes godasses. En dehors de lui, tu n'as pas d'autre Dieu. C'est un moment de communion avec le Saint-Esprit. Parle à Jésus-Christ. Entre dans cette intimité avec Jésus. Seigneur, ta présence est au milieu de nous. Nous voulons te connaître. Demande à Dieu de se révéler à toi ce soir. Maintenant, dis-lui, je veux voir ta face. Seigneur, je veux voir ta face. Je reconnais que tu peux tout.
Jésus. Et mon Jésus. Je veux voir ta gloire ce soir. Je veux voir ta gloire ce soir. Commence à prier Jésus. Commence à lui parler. Dis-lui, je veux te voir. Il y a quelque chose que nous devons voir ce soir. Je vous dis la vérité. Il y a quelque chose que tu dois voir de Dieu ce soir. Ne sors pas de cette conférence des bienfaiteurs sans avoir vu quelque chose que tes yeux n'ont pas encore vu de Dieu. Demande-lui de se révéler à toi. La Bible dit que Moïse a demandé à Dieu de lui révéler sa face. Et Dieu lui a révélé sa face. C'est ton tour ce soir. Dis-lui. C'est-à-dire, concentre-toi dans la prière. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est un moment fort. I tell you the truth. L'Éternel est là, présent. Et tu veux voir sa gloire. Comme Moïse, tu veux voir la gloire de l'Éternel. Tu veux que quelque chose change ce soir dans ta vie. Ce soir, tu veux voir la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, ouvre ta bouche, parle à l'Éternel. Tu n'es pas venu accompagner ton voisin. Tu n'es pas venu te balader ce soir. Tu dois rentrer de ce lieu avec quelque chose. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Dis Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir ta gloire. Dis Seigneur, révèle-toi à moi ce soir. Dis Seigneur, révèle-toi à moi ce soir. Ouvre ta bouche, parle à l'Éternel. Parle-lui. Dis Seigneur, révèle-toi à moi ce soir. Dis Seigneur, si tu m'as permis d'être là, c'est parce que tu as quelque chose à faire dans ma vie. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Bien-aimé, parle à l'Éternel. Parle au Dieu de tes parents ce soir, le couple prophétique. Dis Seigneur,
Tu as fait voir ta gloire à mes parents. Je veux voir ta gloire ce soir. Je veux voir ta gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père, merci parce que tu nous as exaucés. Amen. À toi la louange et la gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Amen trois fois avant de t'asseoir. Amen. 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 Acclame Jésus et assois-toi dans sa présence. Alléluia. Yeah, lift me higher. Lift me higher. Lift me higher. Higher. I put my enemies up. Yes, yes. Ça, c'est la danse de ce que le Seigneur a restauré. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Au-dessus de tes ennemis. Est-ce que tu es en haut? Go, 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 en haut comme ça. Jésus, voyez. Est-ce que quelqu'un est en haut ce soir? Tu es en haut au nom de Jésus. Amen. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Au-dessus de tes ennemis. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu es en haut, Jésus? Jésus, Jésus. Jésus, voyez. Voyez. Je disais, Jésus, voyez. Voyez. Il t'a élevé plus haut. Élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Au-dessus de tes ennemis. Tu es en haut au nom de Jésus. Amen. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Au-dessus de tes ennemis. Les ennemis sont en bas, toi tu es. Alléluia. On va recommencer. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Au-dessus de tes ennemis. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Les jaloux vont sauter par l'air. Vérité, papa, vérité. Ça, c'est la danse de ceux que tu es en train d'élever. Amen. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Au-dessus de tes ennemis. Plus haut, plus haut. Plus haut, 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 plus ha
higher. He has lifted me higher. Higher, 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 higher. Moi ce soir, acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon secours est. Mon secours est. Mon secours. Donc, quand j'ai vu ta gloire, j'ai couru vers toi. Mon secours. Quand j'ai vu le royaume, j'ai couru vers toi. Mon secours, mon secours, mon secours, mon secours. Quand j'ai vu ta gloire, j'ai voulu vers toi, mon secours. Quand j'ai vu ta puissance, j'ai couru vers toi, mon secours.
Vous savez que comme ça fait longtemps, je ne vous ai pas vu là. Amen. C'est la joie de ça. Samati wa inna ablo. Kurta madan tau dalien tau. Mosana. Useni mitori. Mosana. Mosana. Mitori ma. Mosana. Jalana, Jalala, Ya Allah, Mitori, Jalana, Jalala, Jalana, Jalala, Mitori ma, Jalana, Jalala. Mindondi dan ajana Yenduma mintori dan Milarete anon soba joya Yenduma mintori dan Minwanti dan wala bana isame Yenduma mirima Wala bana isalamido Mosana Allah mitori mosana 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 mitori ma mosana mosana jalana jalana ya Allah mitori jalana 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 mitori isa jalana lève ta main où tu es lève ta main dis mon père et mon Jésus.
travers et mon manifeste ta puissance dans ma vie. Manifeste ta puissance. Et ce soir que je vois ta gloire. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain. Dis amen trois fois et c'est scellé. Amen. 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 Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Clap for Jesus. Ça, c'est une soirée glorieuse. Amen. It's a glorious evening. Vous savez que depuis l'histoire de Karina, c'est Karina ou bien Corona ou Carolina qui est venue nous déranger. Je ne suis pas venu à Douala. I've not been here in Douala. Et le Seigneur m'a mis à cœur et ce n'est pas les jeux. J'ai dit jeudi ici que, parce que nous on est là depuis jeudi. Que quand je dis que, oh, maintenant je serai ici, les gens vont dire non, nous on ne croit plus. People do not believe again. Non, il faut croire. Please, do believe. Il faut croire parce Amen. Que j'ai changé. Amen. Dis à ton voisin, le père a changé. Oh. Tell your neighbor, daddy have changed. Donc quand il te dit, il faut accepter seulement. So when he says something, just accept. Donc par la grâce de Dieu, nous allons travailler jusqu'à ce qu'on soit déconfiné totalement. Amen. Dieu me permettra d'être Amen. Ici. God will grant me the grace to be chaque here. Semaine. Jeudi, la semaine prochaine, nous avons 3 jours de puissance. Jeudi, vendredi, samedi. We have 3 days of power next week. Thursday, Friday, and Saturday. La semaine prochaine. Bon. Oui, je sais que vous croyez, mes enfants, ça c'est clair. Bon, maintenant, la semaine prochaine, je ne peux pas être là. Attendez, parce que. Non, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Asseyons-nous. C'est lui. Vous avez vu comment moi, je vous ai promis. Et il a couru pour dire non. Papa, je ne suis pas d'accord. Je suis contre ça parce que vraiment, la semaine prochaine, il y a la conférence des hommes de Dieu. Du 2 au 4. Vous avez vu ça à la télé, n'est-ce pas? De la semaine prochaine, nous avons la conférence des hommes de Dieu à Yaoundé, à Ibogo 1. Après ça, de 2 au 4, c'est quel jour même? 2, 3, 4, c'est 3 jours. C'est quel jour, quel jour? Jeudi, vendredi, samedi. D'accord, il n'y a pas de problème. La semaine qui suivra, je serai là. Amen. Donc ça, c'est clair. Que vous croyez ou pas, la prophétie va s'accomplir. Ça n'a pas besoin de votre foi. Amen. Dis, j'aime Jésus. Said, I love Jesus. Bienvenue à cette conférence de bienfaiteurs. Welcome Amen. To this benefactor conference. La Bible dit, maudissez Méros. The Bible says, curse Méros. Maudissez ses habitants. Parce qu'ils ne vinrent point au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel des armées. Vous savez que Méros, à l'époque, lorsque Déborah était juge en Israël, Dieu avait suscité une femme qu'on appelait Déborah. Comme je vous ai dit que Dieu va susciter une femme au Cameroun qu'on appelle Mary. Ça sera une prophétesse redoutable. Par elle, Dieu redonnera la gloire au ministère de la femme. Pas seulement au Cameroun, mais en Afrique et dans le monde. Quand Dieu a suscité Déborah, il est allé appeler Barak. Barak a dit à Dieu que non, j'ai peur. Barak told God, no, I'm afraid. Et Déborah a dit à Barak, lève-toi, rise. Va combattre et défendre Israël. Go and fight and defend Barak Israel. A dit non. Barak said no. Non, je veux partir, je ne reviens pas. No, I can go and not come. Et Déborah lui a dit, and Déborah told him, si tu ne vas pas, toi qui es un homme, if you cannot go, you moi j'irai. Moi qui suis une femme. I, as a woman, I will Barak go. A dit, fais comme tu veux. Barak said, do et elle wish. A dit à Barak, and she told Barak, en ce jour, la gloire ne reviendra pas à un homme, mais à une femme. The glory will not come back to the, to Barak a dit sans problème, Déborah s'est levée. And Barak said, quand no, les hommes refusent de se lever, when les femmes doivent se lever. Amen. Quand les hommes refusent de servir Dieu, les femmes doivent servir Dieu. Dans tous les cas, il y a plus de femmes qui croient au Seigneur Jésus que d'hommes. Dans toutes les églises, vous allez remarquer qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire qu'au ciel, il y aura plus de femmes que d'hommes.
In every church there are more women than men. Elle s'est levée. She rose. Et elle allait combattre. And she went to fight. Et il y avait une ville en Israël. And there was a town in Israel. Dieu a sollicité toutes les villes. And God solicited all the Deborah est arrivée à Méros. Deborah arrived. Elle a dit aux habitants de Méros. And she told them, Dieu a besoin de vous. God needs you. Pour aller combattre ces combats. To go and fight his battle. Les habitants de Méros ont dit non. And the citizens of Méros said no. Nous n'irons pas. We shall not go. Jevaro Melo. Jevaro. Donc, Méros, les habitants de Méros ont refusé. J'ai dit à quelqu'un que même si on me met dans quel domaine, je serai excellent. I told someone, even if I'm in any parce que j'ai appris à m'appliquer dans la vie. Because I learned to apply si on te myself in dit life, que tu laves la maison, lave la maison, mais house. Ne la lave pas comme tout le monde. Réfléchis sur like une autre façon de laver la maison qu'on n'a jamais vue. C'est ça la vie. Another way that they've never seen before. Hein? Ça, c'est un signe de paresse, this de médiocrité, tout simplement. Mediocrity. Quand quelqu'un s'applique, when somebody apply himself, on sait. They know. Maintenant, je suis pasteur, Dieu m'appelle, il dit ok, va prêcher. Et je pouvais venir, je prêche seulement en français, personne ne va se fâcher. Mais je prêche, je cite les passages en hébreu, je cite en grec, je cite en arabe, je cite en latin, en espagnol, tout ça. Vous pensez que c'est Dieu qui m'a donné ça? Non. Pourquoi d'autres pasteurs ne font pas ça? Parce que ça demande un niveau de travail élevé. C'est un sacrifice. C'est des heures et des heures de travail où tu laisses la Bible. D'abord, tu prends le grec, tu apprends. On ne récite pas le grec pour réciter. Tu apprends d'abord l'alphabet grec, la langue des autres. C'est ça l'esprit d'excellence. Quand tu fais quelque chose dans la vie, fais-le et fais-le bien. Fais-le. C'est comme Martin Luther King Jr. a dit, n'est-ce pas? Il a dit, même si tu es balayeur de la rue, balaye en sorte que nul n'ait rien à redire. Balaye en sorte qu'après ta mort, l'on dise, waouh, il y avait un balayeur de la rue ici. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, Méros a dit, nous n'irons pas. Nous refusons pas, papa, va. Nous, on a peur. Et Déborah est partie, Dieu a été avec elle. Et quand elle est revenue, Dieu a envoyé Déborah dans la ville de Méros pour la maudire. Et elle arrivait, elle a dit, maudissez Méros, maudissez ses habitants. Parce qu'ils ne vinrent point au secours de l'Éternel. Je me suis posé des questions. Donc Dieu a besoin qu'on lui vienne au secours. So God needs someone to rescue oui, bien sûr. Yes. Dieu a besoin que tu lui viennes au secours. God Dieu a besoin que moi, je lui vienne him. Au secours. Vous savez, vivre avec quelqu'un que Dieu a compliqué. Living with someone that God has complicated. C'est à la fois compliqué et simple. Is somehow complicated and simple. La vie, c'est les lois, c'est life les principes. Law, it's principles. Ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir. What ça ne se mélange is pas. White, and what is black is black. Vous ne mix. Pouvez pas. Je vous dis la vérité, frère. I'm telling you the truth, brother. Regardez, listen. Je parlais à un frère qui est venu me voir à l'hôtel. I was talking to the brother that came to yeah. see the altar yesterday. Et il se plaignait. And he was complaining. Que non, sa vie ne donne pas. That the life is not moving. Il a déposé le dossier, c'est un militaire, mais rien ne fonctionne. He is a military man, not je lui ai dit, quand vous faites comme ça, when you are doing vous like ne pouvez that, pas réussir dans la vie. Parce que la vie existe avant que tu ne naisses. Life exists before you are born. C'est comme une maison que tu trouves. Like tu nais dans une maison, il y a déjà tout dans la maison. Il y a la chambre. There is everything in it. La chambre, si tu prends la mamie de le recevoir pour amener dans la chambre et mettre ça dans ton lit pour préparer, tu es en train de violer une loi. La chambre, ce n'est pas la cuisine. La chambre, on dort là-bas. Et si tu prends ton lit, tu pars dans la cuisine, tu pousses les marmites, tu installes. Qui parmi vous fait de sa cuisine sa chambre? Ou qui fait de sa chambre sa cuisine? Quand vos étrangers arrivent à la maison, vous les recevez. Votre épouse va vous servir dans la chambre, sur le lit. Elle met la nourriture dans le lit. Et vous, les étrangers, vous entrez. Pourquoi? Parce que c'est des lois. La chambre dort là-bas. Quand ton ami vient, vous n'allez pas causer dans ta chambre à coucher. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré. Et quand
Quelqu'un entre dans une maison. Tu as fini de manger. Tu veux aller aux toilettes. Tu ne vas pas dans la cuisine, dans une marmite libérée. You cannot go and liberate yourself in the pot. Tu sais où aller. You know where. Pourquoi? Parce que c'est des lois. La vie, c'est des lois. Quand vous respectez ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont appris, qui prennent le temps pour apprendre les lois de la vie, qui les appliquent. Ceux qui les découvrent et qui les appliquent plus que d'autres, eux, ils réussissent plus que les autres. Those that discover and apply it succeed more than others. Donc la discipline, c'est la loi. La vie est basée sur la discipline. Life is based on discipline. J'ai expliqué jeudi. I explained on Thursday. Pour ceux qui étaient là jeudi. For those that were la Bible here on Thursday, dit que the Bible said, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. Psalm 34, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous protège. C'est ça, n'est-ce pas? On ne doit avoir peur de rien. Et Jésus a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Donc, si nous buvons le poison, on ne va pas mourir. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, Jésus va dire ceci. Soyez simples comme des serpents et prudents. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Comment quelqu'un peut dire qu'il te garde et il te dit encore d'être prudent? Est-ce que ça a un sens? Si je te garde déjà, tu n'as plus besoin de prudent parce que je suis là pour te garder. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Ce n'est pas parce que Dieu te protège que tu dois prendre les risques. Dieu te protège lorsque tu ne prends pas de risque. Lorsque tu as fait ce qui est possible pour un homme. Mais ça ne fonctionne pas. C'est là que Dieu intervient. Où ta force s'arrête, c'est là que celle de Dieu commence. Ils vivront quelques breuvages mortels, mais ils ne vont pas mourir. Si tu pars prendre le poison pour boire, tu vas mourir. Parce que tu brises une loi spirituelle. Jésus disait que si on t'empoisonne à ton insu, tu ne peux pas mourir. Tu n'es pas mourable. Mais ça ne veut pas dire que tu dois aller. Maintenant, vous regardez la loi de la pesanteur. Tu te mets sur le toit de la maison, tu sautes, tu vas mourir. Oh, la Bible dit dans Psaume 91 quoi? Il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs ailes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Montre ici, tu sautes, tu vas voir ce qui va arriver. On va voir si les anges vont te recueillir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut bien comprendre les lois spirituelles. Que Dieu affermisse nos cœurs. Amen. Moi, ma prière, c'est que vous réussissiez. Le christianisme où tu viens à l'église, ta vie ne change pas, ça ne nous aide pas. Moi-même, ça ne m'aide pas. Vraiment, s'il faut que tu me vois pour aller encore pleurer, pour que les sorciers te dominent, vraiment, ça n'aide pas. C'est que si tu ne me fuis pas, moi, je vais te fuir. Dans tous les cas, quelqu'un va fuir quelqu'un. En venant à l'église, viens comme un étudiant. C'est pour ça que tu devrais venir avec ton cahier. Parce que ce qu'on vous enseigne, c'est les lois de la vie. C'est plus que la prière. La prière ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est la connaissance et l'application de cette connaissance. Amen. Est-ce que vous comprenez? La prière, ce qui rend la prière puissante, c'est la connaissance. Quand tu connais, tu pries avec autorité. Ta prière a une base, une fondation forte. Mais quand tu n'as pas de connaissance, ce que tu fais n'est pas la prière, c'est la récitation. Le service d'eau ou ainsi, c'est terrible, je vous dis la vérité. Et Dieu m'a dit de faire ce service d'eau ou juste avec les bienfaiteurs jusqu'à la fin du confinement. Maintenant, regardez une chose. On a engagé la prière, n'est-ce pas? Jeudi, vendredi, samedi, minuit, 3 minutes. De prière pour récupérer ce qui nous appartient. Et ce soir, je veux continuer avec l'enseignement qu'on a commencé jeudi, comme j'ai promis. Le thème de ce soir, c'est qui t'accompagne? Qui t'accompagne? C'est important. Dis à ton voisin qui t'accompagne à distance. Tell your neighbor qui t'accompagne. Who is accompanying you? Vous prenez par exemple le cas du coronavirus. You take the case of coronavirus. Dieu m'a dit qu'aucune brebis de cette bergerie ne va mourir God du coronavirus. Alléluia. None of my
Yes. Nobody Jesus. In this ministry will die. Of Maintenant, attendez, je vais vous dire quelque chose. Now I will tell you si something. Vous me voyez, if you see je viens. Je dis ainsi parle l'Éternel. Les prophètes, il y a prophet. Trois types de prophètes. Il y a les prophètes Aroé. Les Aroé, c'est ceux qui te regardent et te disent les choses qui se passent dans ta vie. Comme on a confondu un couple ici, et ils sont là ce soir. Like the couple of the le couple de jeudi, ils sont là. The couple that were there on Thursday, are they around? Hein? C'est ce que j'ai prophétisé jeudi. C'est vous? Vous n'avez pas bagarré à la maison, non? People do not fight in the house. Vous avez bagarré? Do you fight? Il y avait un témoignage. Venez avec. C'est toujours le culte, c'est la conférence. J'ai dit. Regardez. Listen. Les conférences de bienfaiteurs maintenant, ce n'est plus comme on venait avant. On s'assoit comme ça. C'est oh, holy. No. C'est des cultes et des ministères rendus au Seigneur. Oh, je viens pour te rendre ministère. Tu rentres étant rassasié. C'est-à-dire que tu rentres même fâché. Que pourquoi c'est fini tôt? Alors, notre prochaine conférence, là, il faut qu'on nous donne la date vite parce que je veux assister à ça. On va tirer Satan par les cornes, par les oreilles, par terre ici. Amen. Maintenant, eux, ils sont venus. Je prophétisais sur son mari. I was prophesying on the husband. Et j'ai parlé à son mari et j'ai expliqué à son mari qu'il y avait des filles qui le dérangeaient. Et j'ai donné le nom des filles. And I gave the name of the girls. Quand j'ai donné, non ça va, elle nous prend deux. Quand j'ai donné le nom des filles ici, elle faisait un truc que le prophète avance. She was already prophet. Va en profondeur maintenant. Press forth. Go deeper. Que tu vas m'expliquer bien la prophétie ici à la maison, mon type. Explain it to me right in the house. C'est ça, non? Fais la tête comme ça. Après, quand j'ai fini le dossier son mari, j'ai pris sa part de dossier maintenant. J'ai aussi sorti sa part de dossier. Elle s'est mise à rire. And she started laughing. Maintenant, il y a un témoignage. Now there is a testimony. D'accord, nous vous écoutons. Gloire à Jésus. Nous étions là, papa a prophétisé sur nous, l'Esprit de Dieu a parlé comme il est en train de dire. Aujourd'hui, quand nous on venait à la conférence des bienfaiteurs, on a emprunté un taxi. Le chauffeur habituel qui me porte avec les enfants, quoi, je l'ai appelé comme d'habitude. Il est venu. Chose curieuse, quand nous sommes en route en train de venir, il y a une dame qui stoppe le taxi. Elle dit au taxi-man, Mon frère, c'est comment? Porte-moi. Je dis, mais ça, c'est quoi? Je suis dans le taxi avec les enfants. Tu te permets de te arrêter. Et elle voit mon mari, elle dit, hey, le père, bonjour. Je dis, ah, le style, quand devant moi, il devient le père, là, je dis, stop, dis-moi le nom de la dame, là. Il me dit, Sylvie, et c'est effectivement ce que papa avait vu ici, je lui ai dit. Yes. C'était qui? Sylvie, exactement. Yes. Jésus. Donc, vous avez croisé Sylvie. Et je dis, qu'est-ce que je leur ai dit? What did I tell you? Que Sylvie est venue pour faire quoi? That Sylvie came pour détruire leur foyer. To destroy your home. C'est ça, n'est-ce pas? It. Bon, quand vous l'avez croisé, est-ce que moi j'étais là? When you met her, was I there? C'était vers quelle heure? C'était, il n'y a même pas 30 minutes. Comme nous, on venait là, étant en route. 30 minutes, moi j'étais déjà en train de rendre ministère ici. I was already ministering here. Maintenant, et ça vous a fait quoi par rapport à la prophétie? Ça m'a d'abord choqué, mais par rapport à la prophétie, j'étais scandalisée, papa, que la vérité soit aussi simple, crue, crue comme ça. Wow. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. And God bless you in Jesus' name. Donc, vous voyez, you see? C'est pour vous dire simplement, je disais que si je sors, ça va, merci. Si je sors, if I come out, bah, j'ai dit à son mari que j'ai vu une femme à côté de lui qu'on appelle Sylvie. That I saw a lady called Sylvie qui a été envoyée. Hein? That was vous avez suivi ça? Pour détruire son foyer. Et je l'ai vu entre lui et sa femme. And I saw her between the wife. Maintenant, il vient à l'église. Sylvie, stoppe le taxi. And he came to the church. Sylvie, stop the taxi. Elle veut entrer pour accomplir sa mission. Mais ils étaient avertis. S'ils n'avaient pas eu la prophétie, elle ne serait pas choquée. Elle va dire, oh Sylvie, entre. Tu vois, et puis son foyer, pas. Bam. And the home will be broken. C'est ça l'avantage d'avoir pour père un prophète voyant. Non, sincèrement, vous voyez, pour vous, ça peut ne pas sembler être quelque chose. Mais un mariage a été sauvé. But a home c'est quelque chose qui s'est passé avec simplicité. C'est comme si on jouait même. That happened, just like play. Mais c'est sérieux. But
somebody was serious. Donc vous voyez, il y a des prophètes à Roé. C'est de ça qu'il est question. C'est que j'expliquais. Un prophète à Roé peut annoncer les choses passées dans ta vie, les choses présentes et les choses futures. J'ai annoncé par l'Éternel, mon Seigneur, ce qui allait arriver, c'est arrivé aujourd'hui. Il y a cela 30 minutes. Ça, c'est un prophète à Roé. Maintenant, il y a les prophètes à Osé. Ça, c'est dans 1 Chronique, verset 29, chapitre 29, verset 29. Les trois catégories de prophètes. Mais si vous lisez en français, vous n'allez pas bien comprendre. C'est en hébreu que vous comprendrez qu'il s'agit de trois types de familles de prophètes. Les prophètes à Osé, c'est ceux qui ont la capacité de voir des visions. Comme la télé, ils voient des choses. Like TV, ils voient des événements qui vont se passer. Et les prophètes Nebi, eux, c'est les messagers. Dieu les envoie avec ainsi parle l'Éternel au roi et au peuple de la terre. And to the people of the earth. Quand vous me voyez prophétiser sur le Cameroun, sur des nations, ça c'est le rôle du prophète Nebi. Récemment, Dieu m'a dit, j'ai fait de toi un Nebi. À Roé, à Osé, tout ça là c'est le bonus. Mais j'étais établi Nebi pour annoncer ma parole au roi de la terre. Attendez, vous savez, j'ai notre ministère, Rema, a eu beaucoup de contestations. Aujourd'hui, ces contestations se sont presque arrêtées. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a fait annoncer sur le pays qui sont arrivées. Les gens disaient ça ne va pas arriver. Ce n'est pas vrai, mais c'est arrivé. People said it will not arrive, but the thing came to pass. Il y a de cela 3 semaines. 3 weeks now. Je rendais ministère lorsque Dieu m'a montré ce qui se passait dans la maison du chef de l'État. I was ministry when God told me what is happening in the house of the head of the state. Qui a suivi la prophétie là? Who had the prophecy? Où j'ai prophétisé sur ses enfants. That I prophesied on his children. Parlant de maltraitance. Talking of. Dieu m'a amené, j'ai vu les maltraitances. Deux ou trois jours après, Brenda Bia a fait un direct où elle disait, regardez comment elle me maltraite. Est-ce que je vis là-bas? Non. Il y a de cela quelques années, j'ai annoncé par l'Éternel que j'ai vu une saison où Dieu va juger son église et où les hommes de Dieu vont mourir en masse. En 2 mois, on a perdu au moins 100 hommes de Dieu au Cameroun. In 2 months, we lost about 100 men of God in Cameroon. Longtemps avant, 5 ans avant. 5 years ago. J'ai annoncé par l'Éternel, mon Seigneur, I announced by the Lord, my God, que j'ai vu des bombes explosées à Yaoundé. Les gens ont dit que faux prophète. I saw bombs in Yaoundé. People said false prophet. Ça fait 3 ou 4 jours. It's 3 or 4 days. Que 2 bombes ont explosé à Yaoundé. That 2 bombs explode in Yaoundé. Bon, maintenant, est-ce que quand c'est comme ça, tu vas faire comment? What will you do when it when tu finis par croire, non? You finish. Tu comprends que non? Je combats le type là, mais quand même. Il faut considérer quand même ce qu'il dit, parce que c'est sérieux. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un prophétise une fois, ça arrive. On peut dire que c'est le hasard. 2 fois, on peut dire que c'est une coïncidence. 3 fois, on peut dire que bon, c'est faisable. Mais 4 fois, il faut réfléchir. Vous comprenez qu'on écoute quelque part. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque je sors et que je proclame la parole de l'Éternel, ne jouez pas avec. Vraiment, joue avec tout. Mais dès que je dis ainsi parle l'Éternel, I tell you the truth, vous ne pouvez pas échapper. Que ce soit bien ou que ce soit mal, ce n'est pas possible. Ça va arriver. Le révérend Bassama m'a vu quand j'ai prophétisé sur le comment on appelle ça, c'est le régisseur de la prison, l'ancien régisseur de la prison de Kondengi. Je voulais aller voir les prisonniers pour leur donner à manger. I wanted to go and feed the prisoners. On a négocié, il a refusé. C'est toi-même qui étais allé avec le dossier en prison. He went in the document in il the prison. N'a pas voulu nous recevoir. He never wanted to refuse. Le Seigneur m'avait dit, but the Lord told comme me, tu y vas, as you are going, je veux que tu ailles en mission pour prier pour le régisseur. I want you to go in mission and pray for the chief of the prison. Parce que sinon, il sera révoqué de ses fonctions. If not, he will be taken away from his promotion.
Et je vous ai dit à l'église que, ok, on voulait aller prier. En réalité, ce n'est pas la nourriture que j'allais distribuer. Je voulais prier pour le régisseur parce qu'on va le révoquer de ses fonctions si je ne prie pas avec lui. I was to pray for him not to feed the prisoners. 2 semaines après, il a été révoqué de ses fonctions. 2 weeks later, le révérend Bassama est venu me voir. Il m'a dit, papa, ce n'est pas qu'on doute. Hein. He said, papa, he's not doubting. Mais l'autre prophétie, si on a un peu douté. But this our prophecy, we doubted it. Que comment quelqu'un travaille, il est bien, il travaille bien. Vous dites que on va le. And you tell others that they will dismiss him. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? So what I want to say is that. Si je dis ok. If I say okay. Le Seigneur te bénira. The Lord will bless mon you. Mon ami, c'est une prophétie. Beloved, it's a blessing. C'est ta prophétie. It's your prophecy. Ne joue pas avec, n'oublie pas ça. Don't play with it. Parce que nous oublions trop nos prophéties. Because we forgot our prophecy. Et une prophétie que tu oublies, tu vas la nourrir comment? How can you nourish it? Quel homme de Dieu proclame? When a man of God proclaim, oh, sois guéri. Be healed. Prends ça comme ta prophétie parce que c'est une prophétie. Because it is a prophecy. Même si tu as quel cas de maladie. No matter the sickness you have, cette maladie, attache-toi à la prophétie. Forget the sickness and attach yourself to the prophecy. Elle te sauvera. Amen. The prophecy will save you. Donc quand je viens, je prêche devant toi. So when I'm je parle. Concentre-toi sur ce qui sort de ma bouche. Parce que c'est des choses certaines. Amen. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, voici. When the Lord called me, he said, le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc si on dit que Dieu te bénisse ou on donne une prophétie, ne joue pas avec. So when I say pardon. Bless you or I give a prophecy, don't play with it. La puissance d'un homme de Dieu se trouve dans son alliance et les paroles qu'il déclare. The power of Amen. A man of God in found is in his word. Donc on va lire rapidement. So Genèse, c'était Genèse 12, 1 à 3. Vite, vite, vite. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Qui nous lit ça? Genèse, chapitre 12, 1 à 3. Quand, vous voyez, quand je dis qu'on va lire, déjà, vous connaissez, vous étiez là, je dis, tu vas dans Genèse, tu m'attends dans Genèse 12. C'est comme ça la vie, la discipline, sincèrement. Oui. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham. Mettons debout, s'il vous plaît, pour honorer sa parole. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, oui. De ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Allons au chapitre 11, versets 26 à 32. Let's go to chapter 11, verse. Genèse chapitre 11 versets 26 à 32. Terah, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d'Aaron, père de Milca et père de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils,
Ils sortirent ensemble du enchanté pour aller au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Théra furent de 205 ans et Théra mourut à Charan. D'accord. Merci pour la lecture, vraiment. Ça montre que tu ne lis pas l'Ancien Testament. Les noms, là, toi, tu lis les noms de l'Ouest. The way you are reading the names of the West. Eh, la main. Emma. C'est comme ça que Dieu vous livre entre mes mains. That's how ça me montre que Théra, Amgoko, oh, vraiment, Mendjumba. Non. Il faut lire la Bible. Tu veux l'Ancien Testament, si quelqu'un le lit, on va l'attraper facilement. C'est-à-dire que où je t'attends, c'est le nom. If it's not read the Old Testament, it's well known. Dis que non. Au Java, au Camden. Non, ce n'est pas Camden ici. It's not Camden. C'est lit. Quand tu lis, on sait si tu lis ou pas. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Verset 12:1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis, Seigneur, bénis-moi par ta parole. Seigneur, bénis-moi par ta parole. Au nom souverain de Jésus. Assions-nous dans sa présence. Let's be seated in his presence. Que Dieu se souvienne de toi par cette eau ointe. Quelle que soit la situation que tu traverses, que Dieu te visite. Amen. Que cette bouteille opère un miracle que toi-même tu n'attendais plus. C'est-à-dire, que Dieu opère le genre de miracle que tu as attendu, tu t'es fatigué, après tu as dit, bon, ça va, alors je laisse tomber. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. In the sovereign name of Jesus. Vous voyez, j'ai voulu qu'on lise Genèse. On a lu Genèse 12, 1 à 3, et on a lu 11, 26 à 32. Maintenant, dans le verset 12, les événements du verset 11, du chapitre 11, se sont passés avant les événements du chapitre 12. Il y a eu, on a interversé l'histoire. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu apparaît à Abraham. Abraham. Et quand il lui apparaît, il lui dit, quitte ton pays et quitte la maison de ton père. Your father's house. Va vers le pays que je te montrerai. Go to the land that I will show you. Mais au chapitre 11, chapter la Bible 11, dit que Terak, the Bible said Terah, le père d'Abraham, the father of Abraham, a pris Abraham, took Abraham. Il a pris Lot. He took Lot. Il a pris la femme d'Abraham. And he took the wife et ils sont partis pour Charan. To Charan. Or, Dieu dit à Abraham, but the Lord told quitte la Abraham, maison de ton père et ton pays. Leave your land et va à Canaan. And go to Canaan. Et au chapitre 11, and in chapter vous 11, voyez que le père ne l'amène pas à Canaan. You will see that the father il l'amène dans un autre pays qu'on appelle Charan. He's taking him to another land called Charan. Est-ce que vous comprenez où le problème se trouve? Do you get the problem? Hein? Qui t'accompagne? Who is leading you? Lorsque Dieu a parlé à Abraham, when God spoke to Abraham, c'est qu'il a trouvé qu'Abraham était quelqu'un de bien. Because he saw that he was a good man. C'est quelqu'un dont le cœur était droit devant Dieu. He was someone with a pure heart. Et Dieu a dit, ce garçon, je ferai de grandes choses avec lui. And God said, this boy, I will do great things with him. Mais Dieu dit à Abraham, but God told Abraham, je ne peux pas faire dans ta vie ce que je veux faire dans la maison familiale. You cannot do what I want to do in your life, in your family. Tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta famille, tu dois te séparer des malédictions familiales. Et ancestral, je dois d'abord te délivrer de la malédiction de ta famille. From the curses of your family. Dieu ne peut pas te bénir où la malédiction règne sur ta vie. God cannot bless you where curses are reigning. Toute personne avec qui Dieu veut aller loin, everybody that God wants Dieu to go la far, coupe du cordon ombilical des malédictions de la maison de son père et de sa mère. God will deliver from your mother's house. Dieu change ton identité, c'est un God long processus. La délivrance, c'est un long processus. Dieu va d'abord obliger Abraham de quitter son pays. To leave his land. Ça veut dire quoi? Sa tribu. His tribe. Son identité tribale. His identity. Parce que chaque tribu, because every tribe, a une malédiction qui la caractérise. Have a curse, have quand a curse. Tu nais dans ta tribu, when you are born in your tu hérites normalement et naturellement des malédictions you qui caractérisent ta tribu. You inherit a curse that characterizes your tribe. Quand vous regardez la famille d'Abraham, when you look at Abraham's la family, Bible dit que son petit frère Aaron, the Bible says that his junior brother Aaron, est mort, died, jeune, young. Et la Bible précise au chapitre 11 and que la femme d'Abraham était stérile. That the wife was barren. Donc c'était une famille où il y avait la malédiction de la mort précoce, so et où ceux qui se mariaient n'arrivaient pas à avoir des enfants.
when there was a curse of untimely et ceux qui donnaient des enfants n'arrivaient pas à voir les enfants grandir. And those that gave birth to children cannot see them donc il y avait une malédiction dans cette famille. So there was a curse in that family. Mais Dieu montrait un grand avenir à Abraham. But God was showing a great destiny. Mais pour arriver là-bas, but to arrive there, il y a un processus par lequel Abraham devrait passer. There is a processus. La première chose, the first thing, Dieu devrait le sortir de l'identité qu'il identifiait en tant qu'appartenant à sa tribu. God have to take him out from the identity that identify him. Les Bamileke ont des malédictions spéciales aux Bamileke. Bamileke have their special les Nordistes ont des malédictions qui les spécifient. The Northern people have les Bassa ont des malédictions qui les spécifient. Basa vous devez savoir ça. And you need to know that. Deux. Secondly, il le sort de la maison de son père. He take him out from his father's house. Parce que le père d'Abraham était un vendeur d'idoles. Because he was a idol seller. Il vendait les idoles. C'était un grand commerçant. He was selling idols. He was a great. Dieu veut le sortir de l'idolâtrie de la maison de son père. God wants to take him out. Parce qu'il y a des endroits où Dieu ne peut pas te bénir. There are some certain places that il y a des endroits où ta destinée ne peut pas s'accomplir. Il y a des endroits où si tu ne quittes pas ces endroits, ta prophétie ne peut pas s'accomplir. Quand les gens ne comprennent pas l'influence de la topographie spirituelle, les gens disent que est-ce que c'est que c'est le type que nous voyons? Are you sure that this is the man that we need to see? Il parle de topographie spirituelle. Quelqu'un a ses problèmes ici. Topographie d'abord, c'est qui? What is the meaning of topography? Who is topography? Non. No. Ce que je dis est sérieux. What I'm telling you is serious. Il y a l'influence du lieu. There is an influence of the place. Le lieu que tu occupes, the place that peut empêcher ta prophétie de s'accomplir. Dieu dit à Abraham, je veux te bénir. Tu seras le père d'une multitude de nations. Mais si tu demeures dans ton pays, si tu demeures dans la maison de ton père, tu vas mourir et cette prophétie ne sera pas accomplie. Quand Dieu veut t'amener loin, la séparation est inévitable. Il y a des lieux où Dieu va t'enlever. Il y a des personnes que Dieu va éloigner de toi. Tu seras obligé de perdre des personnes à qui tu étais habitué. Tu seras obligé à renoncer aux hôtels familiaux. Il y a des endroits où Dieu ne peut pas te bénir. Il y a des endroits que si tu ne quittes pas, ta prophétie n'aura jamais l'opportunité de s'accomplir un jour dans ta vie. La question, tu es où? Tu habites où? Quel est ton environnement spirituel? À l'heure où je suis en train de te parler, while talking to you, quelle est ta situation géographique prophétique? What is your geographic? Yes. La deuxième chose, the second thing, le genre de personnes qui t'entourent, the kind of il y a des gens around you, there are people, que s'ils ne quittent pas ta vie, that if they do not leave your ta life, prophétie attendra le jour où tu te sépareras d'eux. Your prophecy will wait for the day that you will separate yourself. C'est comme si from je dérange les gens. It's as if I'm disturbing. Regardez. Listen. Qui t'accompagne? Who is leading quand you? Dieu a parlé à Abraham, when God talked to Abraham, il n'a pas parlé à son père. He never talked, yes, spoke to his il a parlé father à l'enfant. He talked to the child. Et l'enfant s'est confié à son père. And the father confided to the au lieu father, que Abraham se lève, instead of Abraham, prend sa femme rise and et qu'il parte and go. La Bible dit the Bible says, au chapitre 11, in chapter 11 que Terah prit Abraham. That Terah took Abraham. C'est plutôt son père qu'il a pris. It is the father that took him. Il a pris Lot. He took Lot. Il a pris Sarai. He took Sarah. Donc c'est son père qui a décidé qui va voyager, où ils vont aller. So the father decides where he will go. He le père d'Abraham, Abraham father, a volé la prophétie d'Abraham. Steal the prophecy of Abraham. Il n'était pas dans le programme, il s'est imposé. He was not in the program and he imposed himself. Il y a des personnes, there are people, qui peuvent être un blocage pour l'accomplissement de ta prophétie. That can be a blockage to the accomplishment tu of peux prophecy. Jeûner et prier. You can fast and pray. Tu peux crier toutes les nuits devant Dieu. You can shout all night. Tant que tu ne te sépares pas de cette personne, unless you separate yourself, ta prophétie from people, ne s'accomplira jamais. Your prophecy, ta vie n'avancera jamais. And you will never go tant forward. Que tu n'identifies pas les terrasses de ta vie, unless you identify the terrasses tu ne commenceras life, pas le voyage vers Canaan. You can never
Canaan, c'était le pays où coule le lait et le miel. Canaan was a town that Canaan, c'était la gloire. Canaan, c'était la restauration. Canaan, c'était l'élévation. Canaan, c'est un état où tous tes rêves s'accomplissent. Amen. All your dream comes où les bénédictions pour lesquelles tu jeûnes là, quand tu arrives à Canaan, tu ne jeûnes plus. Ça s'accomplit sans prière, ça s'accomplit sans jeûne, parce que tu occupes ta place devant Dieu. Amen. Mais la Bible explique que Terah, son père, a une domination sur Abraham. Qui domine sur ta vie? Il y a des hommes qui sont des forteresses. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont soumis à d'autres hommes? Il y a des personnes qui peuvent avoir une influence négative spirituelle sur toi. Ils prennent en otage ta prophétie et ils retiennent ta vie en captivité et ils retardent l'accomplissement de ta destinée. J'ai commencé à faire des réflexions. C'est vrai qu'il y a des choses là-bas qui ne fonctionnent pas bien. There are things that do not function well there. Mais je vais, dimanche, je vais vous expliquer ça mieux. But on Sunday, I will explain it dans more. Tous les cas, in every state, quand j'ai réfléchi, when I think, dans mes calculs, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Dans mes calculs, la Bible dit ceci. The Bible said this. Que Terah était âgé de 70 ans. Terah was 70 lorsqu'il a old. Enfanté Abraham, when he gave birth to Abraham, Nahshon et Aram. Nahshon and Haran. Ses trois fils. His three sons. Il avait quel âge? 70 ans. 70 years. C'est ça, n'est-ce pas? Isn't it? D'accord. Un. First, on ne peut pas en une année accoucher trois fils. You cannot have three sons in one c'est pas year. Possible. It is not possible. Une femme ne peut pas accoucher trois enfants en une seule année. A woman can parce que nous savons que c'était grand frère, petit frère, petit frère. Ce n'était pas des triplets. They were not triplets. They were elder. Donc, il est possible que c'était des frères consanguins. So it was possible that they were from et qu'il enceinte leur maman la même année. And then he là, on comprend. In the same year. Deux. Secondly, la Bible dit ceci. The Bible says que Abraham avait 75 ans lorsque Dieu l'a appelé. Was 75 years when God called. Est-ce que vous suivez ça? Are you getting écoutez bien, parce que ici, maintenant, c'est un peu technique. Now it is so technical. Il faut ton attention. We need your attention. Que c'est à 75 ans que Dieu lui dit d'aller à Canaan. That God told him to go to Canaan. Si Nahshon avait 70 ans, if Nahshon have 70 years, et qu'à 75 ans Dieu appelait son fils, and 75 years God ça veut dire qu'il avait 145 ans. It means that he was 145 quand Dieu appelait Abraham, old, c'est ça non? God called Abraham. Hein? Oui. Isn't la Bible it? Dit qu'il est mort à 205 ans. The Bible say he died. Donc tu fais 145 ans plus 60 ans. 145 ça veut dire quoi? Abraham avait 75 ans quand son père avait 145 ans. He was 75 years when the father was 145 si on ajoute 60 ans à la vie d'Abraham, ça va lui faire 135 ans. Will make him 135 years. Ça veut dire que quand Nahshon est mort à 205 ans, when he died at 205 Abraham years, avait 135 ans. Abraham was 135. Ce qui ne coïncide plus avec le récit biblique. What was not really parce que la Bible dit que son premier enfant, il l'a eu à 100 ans. Because the Bible said the first child he had it in 100. Donc ça veut dire il faut faire une soustraction de 60 ans. So he needs to take back. Il y a 60 years. Ans que Abraham a perdu. Abraham lost 60 years. Si nous raisonnons de la sorte, if you ça veut dire que this way, Dieu a appelé Abraham lorsqu'il avait 15 ans. God called him when he was 15 years old. Pour la première fois. For the first time. Et son père l'a pris. And the father took him. Et l'a amené à Charan. And the father took him to Charan. Et là maintenant, there, lorsqu'il a, son père a eu 205 ans, Abraham avait 75 ans. When the father was 205, he was 75 years old. Est-ce que vous comprenez? Are you getting it? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. It means that I want to explain. Je suis en train de dire ceci. I'm telling you that. Quand Dieu a appelé Abraham, quand nous calculons l'âge de naissance de son père et l'âge où Dieu l'a appelé, à 75 ans, ce n'était pas la première fois où Dieu appelait Abraham, c'était sa deuxième vocation. 75 years was not the first time God called him, it was the second time. Dieu a d'abord appelé Abraham quand il avait 15 ans. When he was 15 years old. Ça veut dire que son père avait 85 ans à l'époque. It means that the father was 85. Et ils sont partis à Charan. And they went to Charan. Et ils ont perdu 60 ans. And they lost 60 years there. Abraham a eu 75 ans. And Abraham 65. Son père est mort. The father died. De 15 ans. From 15 years à 75 ans, to 65 years, Dieu n'a plus parlé à Abraham.
God did not speak to him again. Parce qu'il n'était pas où Dieu lui avait dit d'être. Because he was not where il n'a pas pris la destination de Canaan. He was not il est parti dans une autre ville, dans un autre pays qu'on appelait Charan. He went to another town called Charan. À cause de qui? Because son of who? Père. The father. Il a perdu combien d'années de sa vie? He lost 60 années 60 précieuses of his life de sa vie qu'il ne pouvait plus jamais récupérer. That he can never recover 60 back. Ans perdus. 60 years lost. Pourquoi? Why? Parce que son père avait une domination sur lui. Because the father have a domination over qui him. A une domination maléfique et négative sur ta vie, c'est pas tant. Negative, men. Tu dois localiser qui est ton terrage. You have to localize who is your terrage. Il y a des gens que s'ils t'accompagnent, tu ne vas pas arriver à temps. Soit tu n'arrives pas ou tu arrives en retard. Abraham a eu un retard de 60 ans dans sa vie. Imaginez-vous en 60 ans ce qu'un homme peut faire. Ajoutez 60 ans à mon âge, je vous dis la vérité, il y aura les églises REMA partout dans le monde. If you add 6 years on my age, we have. Mais si on me volait 60 ans de ma vie, qu'est-ce que je deviendrai? Of my life, what will I become? Un faux mariage peut être ton terrage. Vérité, a false marriage can be your terrage. Une maladie peut être ton terrage. Vérité. Sickness can be your terrage. La prison. Prison. Peut être ton terrage. Can be your terrage. On t'accuse injustement. They accuse you falsely. On te porte, on te met en prison. Tu fais 20 ans, 30 ans, 60 ans. Tu es innocent. Tu sors. Les années là, tu ne les récupéreras plus jamais. You can never recover them back. Il y a des gens qui doivent te quitter aujourd'hui après le message. Amen. Maintenant, la deuxième chose ou c'est troisième, je ne connais même plus now les numéros. The things, quelle destination as-tu prise? What destination do you take? Abraham, au lieu de partir à Canaan, au lieu de dire à son père, papa, ce n'est pas toi que Dieu a appelé, c'est moi. C'est à moi que Dieu a donné la vocation. Je veux parler aux parents, aux futurs parents. Donc Dieu appellera les enfants à son service. Quand Dieu appelle ton enfant, laisse ton enfant suivre la voie de Dieu. Ne t'impose pas, ne t'immisce pas, ne t'invite pas. Dans la vocation de Dieu dans sa vie, tu n'es pas le berger, tu es sa brebis. Quand Dieu appelle ton enfant, tu es son père physiquement ou sa mère, mais spirituellement tu es sa brebis. Laisse l'enfant suivre la voie que Dieu lui a dit. Suis. S'il te dit que tu n'es pas dans le plan, c'est ne viens pas t'imposer dedans. Pour que ma mère comprenne que le ministère, je ne suis pas son enfant dedans. Ça m'a pris des années. I'm not a child. J'avais déjà vu ce que le père d'Abraham lui avait fait. Et je n'ai pas risqué que ma mère me fasse la même chose. Quand ma mère parlait, je lui dis que je suis ton pasteur. Maman, je suis ton père. I'm your father. À l'église, je suis ton père. À la maison, tu es ma mère. In church, I'm your father. In the je rappelais à ma mère que non, c'est pas toi que Dieu appelait. You're not the one that God called. C'est à moi que Dieu a donné la lampe. Donc tu dois suivre le chemin que je t'ai dit qu'on parte là. So you have to follow this way that I'm. Ça prend le temps parce que pour elle c'était non. Un enfant doit être soumis à son parent. Comment ta mère te donne des conseils, des orientations prophétiques? Je lui ai dit que non. I told her no. Si je suis ça, on va aller dans l'eau. If I follow it, we'll go into. Et comme je ne connais plus nager, ça fait longtemps là. Abraham n'a pas fait ça. Il a laissé son père l'influencer, le détourner de sa destinée. Donc le problème c'est, tu es où? Where are you? Où es-tu? Are you? Tu es à Charan? Are you in Charan? Ou tu es à Canaan? Or in Canaan? Où es-tu? Where are you? Spirituellement parlant. Spiritually. Il y a des enfants de Dieu. Abraham a attendu que la prophétie. Écoutez frère, je vous dis la vérité. La loi de la topographie prophétique est réelle. Amen. Law of the topography. Abraham a attendu 60 ans. Abraham waited for 60 years. 60 ans de sa vie. Dieu ne l'a pas béni à Charan. God did not bless him. Parce que la prophétie ne reconnaissait pas Charan. Elle reconnaissait Canaan. Never recognized the land. Il fallait absolument qu'il arrivât à Canaan. So he needed to arrive to Canaan. Tant qu'il n'était pas arrivé à Canaan, sa prophétie ne s'accomplirait jamais. The prophecy will never be accomplished. Il y a un endroit où tu dois aller. Il y a un voyage que tu dois continuer. Amen. Il y a un voyage que tu dois continuer. Amen. Il n'était pas arrivé à Canaan. He was not yet in Canaan. Mais son père lui a dit, moi je suis fatigué. But the father said, I'm je suis tired. Fatigué de voyager. Arrêtons-nous à Charan. Regarde comment le pays s'est florissant. Look at how regarde la prospérité. Oui. Look at la Bible dit qu'il a acquis des serviteurs à Charan. The Bible says he have servants in Charan. C'était la prospérité. It was prosperity. Mais cette prospérité n'était rien par rapport à la gloire de Canaan. But it was nothing to the glory of Canaan. Est-ce que vous comprenez ça? Man. Il y a des niveaux où le diable peut envoyer des gens
t'amène à la dérive. Tu atteins un niveau dans ta vie où tu penses que c'est la gloire. Oui, c'est ici. Ce n'est pas ton lieu là-bas. Parce que la gloire que Dieu prépare pour toi est plus explosive que celle que Charan prépare pour toi. Amen. Canaan n'est pas Charan. Et je vais vous dire une chose. À chaque fois, pour vous les célibataires, qu'un prétendant vient dire je t'aime, moi non plus, pose-toi toujours une question. L'homme-ci, la femme-ci, représente Charan ou Canaan pour moi. Il y a des gens qui se sont mariés, sont allés caler à Charan. There are people that got married and go and stay in Charan. Charan, ce n'est pas Canaan. Tu dois être où Dieu veut que tu sois. Amen. Et ma prière pour vous ce soir, c'est que Dieu te rétablisse où tu dois être. Parce que c'est là-bas que ton bonheur se trouve. Amen. Tant que tu n'es pas arrivé à la destination finale, ton cœur ne sera pas content. Tu ne connaîtras pas de bonheur dans ta vie. Que Dieu te fasse sortir de Charan, qui te ramène à Canaan ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a des gens comme ça là, tu regardes même là, il y a même là, ils sont en Goulmendjab, à Bafoussam là-bas. Ils mangent Charan, ils n'ont pas atteint. Il y a des gens parmi vous, Fumbot même, il a Fumbot. There are some people that are seeing in Fumbot. Loin de Charan. Far away from Charan. Tu regardes quelqu'un, il signe, il est en Goulmekon, au carrefour de Goulmekon. Tu demandes que tu es où, il dit, Canaan, Canaan, c'est pas en Goulmekon. Canaan est en Goulmekon. Que Dieu. May God. La Bible dit ceci. The Bible say. Amène-moi, conduis-moi. Lead me. Jusqu'au rocher. To the road. Que je ne puisse atteindre. Amen. Parfois, atteindre Canaan dans nos vies est compliqué. C'est pas facile. It's not easy. C'est le combat. It's fire. Parfois vous êtes découragé. Charan représente un état de découragement dans ton voyage, le voyage de la vie. In your journey of où life. Tu attends le mari ne vient pas. You wait for the husband is not coming. Et tu es en face d'un homme. And you are facing et tu sais que cet homme n'est pas ton mari. And you know this man is not my parce husband. Qu'il ne remplit pas les critères que tu as placés devant Dieu. Because it's not what you ask from God. Mais tu dis. But you say. Puisque ça tarde. Because it is still puisque Canaan est loin. Because Canaan is still far. Je vais m'arrêter ici et me contenter du peu aussi. I will stop here and content myself of this one. Ma prière, my prayer, c'est que Dieu ne te laisse pas mourir à Charan. Is that God should not allow you to die? Parce que tu n'es pas de Charan. Because you are not que Dieu from ne nous oublie pas à Charan. Amen. La prière ce soir. Yes. Oh Dieu, oh Dieu. Sors-moi de Charan. Conduis-moi à Canaan. Take me to ne me laisse pas mourir ici. Parce here. Que je sais que je ne suis pas encore arrivé. Ouvre la bouche, commence à prier comme tu n'as jamais prié ce soir. Sorti de Charan ce soir. Charan n'est pas là, le territoire que Dieu t'a donné. Ce n'est pas ta position. Dis Seigneur, sors-moi de Charan. Seigneur, amène-moi à Cana. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Que Dieu sorti de Charan. Charan n'est pas ta place. Charan n'est pas ta position. Charan n'est pas ta place. Ce n'est pas le lieu où Dieu. Je vais ramener mon Seigneur, établis-moi ce soir. C'est ton lieu de rétablissement. C'est ton lieu de rétablissement. C'est le que Dieu t'a accordé. Dis Seigneur, aujourd'hui, je veux retrouver la vie. Dis Seigneur, je veux Canaan. Dis Seigneur, je veux Canaan. Seigneur, je sors de Charan ce soir. Amen.
Mon Père, je sors de Charan ce soir. Amen. Seigneur, ce voyage doit continuer. Amen. Ce voyage doit continuer. Amen. Dis à Dieu de te sortir du pays de la limitation. Amen. Qu'il te sorte du pays de l'échec. Amen. Qu'il te sorte du pays de la douleur. Amen. Qu'il te sorte du pays de la déception. Amen. Dis-lui, mon Dieu, amène-moi à Canaan. Ne me laisse pas mourir à Charan. Ne me laisse pas mourir ici. Toi seul peux m'aider. Amen. Aide-nous ce soir. Oh God, help. Parle à Jésus. Bémaliwa inablo. Prie, bien-aimé. Prie. Ta prière doit provoquer quelque chose ce soir. Qui t'a amené à Charan? Qui t'a établi à Charan? Qui veut te retenir à Charan? Dis à Dieu, Seigneur, le voyage doit continuer. Dis, Seigneur, mon voyage continue ce soir. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas fait pour rester à Charan. Ce n'est pas Charan que je veux établir. Ce n'est pas Charan que je veux établir. Dis Seigneur, sors-moi de Charan ce soir. Seigneur, sors-moi de Charan. Dis Seigneur, mon prière doit continuer. Dis à Jésus ce soir. Sors-moi de Charan. Sors-moi de Charan. Dis Seigneur, montre-moi le chemin de Canaan. Mets-moi sur le chemin. Le chemin. Où le lait coule. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Lève ta main. Dis mon Père, mon Jésus. Mon Jésus. Sépare-moi ce soir. Sépare-moi ce soir. De tout tirage. De tout tirage. De tout tirage. De tout tirage. Que celui qui retient ma destinée. Que celui qui retient ma destinée. Cette nuit. Que son visage soit manifesté. Que son visage soit manifesté. Mon Père, mon Dieu. Montre-moi la foi. De l'enfant de ma vie, de celui qui traîne ma vie, de celui qui retient ma vie, de celui qui retarde l'accomplissement de tes promesses, de celui qui retarde l'accomplissement de tes promesses, de celui qui retient ma prophétie, de celui qui retient ma prophétie. Mon Père, montre-moi son visage. Ouvre la bouche, prie et prophétise. Prie et prophétise. Prie et prophétise. Prie et prophétise. Commence à proclamer, commence à déclarer. Prie. Le masque doit tomber sur toi. Celui qui retient ta prophétie, celui qui te bloque, qui t'empêche d'aller à Canaan, celui qui veut te retenir captif, dis à Dieu ce soir, tu veux connaître le visage, tu veux voir cet homme fort qui t'empêche d'arriver à Canaan, qui retient ta prophétie, qui bloque ta destinée, qui ne veut pas voir la prophétie de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dis Seigneur, je veux voir cet homme. Seigneur, que son masque tombe. Seigneur, expose cet homme fort. Je ne te vois pas prier. Bien-aimé, ce soir, ta prière doit provoquer quelque chose. L'homme fort qui vient toujours, celui qui t'accompagne, celui qui vient vers toi et qui a une mission particulière, celle de te retenir à Charan, celle de t'empêcher d'aller à Canaan. Ce soir, que son masque tombe, que le voile tombe, qu'il soit exposé, que Dieu te révèle son visage, que Dieu te révèle son identité, que Dieu te fasse voir son visage. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, je veux connaître la personne, l'enfant, le sorcier, l'ennemi, qui ne veut pas que j'atteigne ta main, qui ne veut pas voir ta prophétie s'accomplir dans ma vie, qui ne connaît pas maintenant mes bénédictions. Bien-aimé, ouvre ta bouche. C'est le moment pour toi de prier. Tu n'es pas venu accompagner ton voisin. Prie ce soir. Dis à Dieu, mon Dieu, mon roi, ce soir, retire le masque qui le couvre, retire le voile qui le cache. Dis ce soir, je veux connaître mon ennemi. Je veux connaître ce sorcier. Je veux connaître cet enfant. Je veux connaître cette autorité maléfique. Je veux connaître cette puissance démoniaque qui retient ma bénédiction, qui s'est levée contre moi, qui est devenue forteresse pour m'empêcher
just to support me, to reach Canaan. Canaan is your destination. Canaan est ton lieu de bénédiction. It's your place of blessing. Le lieu de ton témoignage. It is the place of je the testimony. Pas I don't know the dans trauma. Dans la maison de ton père. In the house of dans your father. Dans la maison de ta mère. In your mother's house. Tu ne veux pas voir que tu vois la gloire de Dieu. Tu es glorieux ce soir. Vois la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Let the glory be manifested in your life. Quand on s'oppose, vois la gloire de Dieu. The glory of God in your life. Je n'ai pas. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Assez c'est assez. Enough is enough. Masque tombe. Je veux voir sa face. I want to see his face. Donne-moi l'identité de cette personne. Donne-moi l'identité de mon ennemi. Toute personne qui s'approche de toi, qui se fait passer pour ton bienfaiteur, qui se fait passer pour quelqu'un qui est venu te bénir, alors que c'est ton ennemi caché. Ouvre ta bouche ce soir. Dis Seigneur, je veux voir sa face. Révèle-moi son identité. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, ouvre maintenant. Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître l'homme fort qui se cache derrière mon ennemi. Au nom souverain de Jésus, on a prié. In the sovereign name of Jesus, we have prayed. Mon Père et mon Jésus. C'est mon Père et mon Jésus. Merci parce que tu m'établis ce soir. Thank you because merci parce que tu m'établis ce soir. Au-dessus de mes ennemis. Au-dessus de mes ennemis. Et que tu exposes leur visage. And you expose their face. Devant ta servante. In front of your servant. Devant ton serviteur. Devant ton serviteur. Prends ta bouteille d'ointe. Take your anointing. Je vais invoquer le nom de Dieu en ta faveur. And I will invoke en la faveur de ta famille, in the favor of your en la faveur de tes enfants, in the favor of your children, en la faveur de ta vie, in the favor of your life, en la faveur de ta vie, oh mon Dieu. Your life, oh my God. Tout plan de nos ennemis, every plan of our enemies, lève ta bouteille. Lift up your bottle. De gloire en gloire, de gloire en gloire, il m'emmène. Il m'emmène dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Père, que ta gloire descende dans cette eau. Amen. Que la puissance de ton nom se manifeste dans cette eau. Amen. Que la force de l'alliance
que tu as établi avec ton serviteur se manifeste dans cette eau. Amen. Toute personne qui boit de cette eau, Père, je proclame sa guérison. Je proclame sa restauration. Amen. La guérison dans son âme. Amen. La guérison dans son esprit. Amen. La guérison dans son cœur. Amen. La guérison dans son corps. Amen. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Si vous êtes à la maison, prenez votre bouteille d'eau. Il n'y a pas de problème. La distance n'est pas une barrière. Amen. Votre verre d'eau, quel que soit le pays où vous me suivez, levez devant votre téléphone, tablette, laptop, écran, téléviseur. Seigneur, que tout dossier à travers cette eau aboutisse. Amen. Seigneur, que tout le monde qui participera à cette eau, que la semaine qui vient soit déclarée semaine de bénédiction et d'accomplissement des prophéties. Amen. Que la semaine qui vient soit déclarée semaine de bénédiction et d'accomplissement des prophéties. Amen. Chaque jour qui viendra, Seigneur, je retire et j'extrais de ces jours les plans de Satan. Amen. J'annule de ces jours les conspirations de nos ennemis. Amen. Ils échoueront. Amen. Ils ne feront pas ce que leurs yeux attendent dans nos vies. Amen. Leur prophétie retourne contre eux au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, chaque jour qui viendra apportera l'accomplissement de ma prophétie. Amen. L'accomplissement de ta prophétie. Amen. Cette prophétie s'accomplira. Amen. Cette prophétie s'accomplira. Amen. Ta prophétie s'accomplira. Amen. Tu ne peux pas mourir. Amen. Tant que ta prophétie ne s'est pas accomplie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, pendant que nous vivons de cette eau, nous quittons Charan pour Canaan. Amen. Seigneur, ce soir, personne de nous ne dormira à Charan. Amen. Fini le non-accomplissement. Amen. Fini les échecs dans la vie. Amen. Fini les douleurs de la vie. Amen. Fini l'influence de malédiction parentale. Amen. Fini l'influence de maladie. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Seigneur, nous élevons cette bouteille vers ton trône. Amen. Parle. Et la chose arrivera. Amen. Pendant que nous buvons, nous entrons dans une autre dimension d'alliance spirituelle. Amen. Seigneur, pendant que nous buvons, je prie que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Amen. Que ces vies qui élèvent ces bouteilles vers toi soient transformées à jamais. Amen. Même sur le plan physique et corporel, que ton onction nous métamorphose. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Dis Amen trois fois et c'est scellé. Amen. 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 Bois de cette eau dans la présence de ton Dieu. En proclamant que tu reçois par la foi la délivrance, la restauration, l'ouverture des portes fermées, le déclenchement des opportunités dans ta famille, ta vie. Dans tous les cas, tu quittes Charan et tu vas à Canaan. Amen. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Je m'en vais de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Sois dans la prière, sois dans la prière. Tu m'emmènes. Confesse ça du fond de ton cœur. Peut-être tu es célibataire. Que par cette eau, un Dieu te sorte de Charan, du célibat. Amen. Peut-être tu es venu malade. Peut-être vous me regardez, vous êtes malade. Priez avec nous ce soir. En priant, Dieu te sort du Charan de la maladie. Pemaliwa in Ablo, déclasse man Shaden. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Hey! Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je dis de gloire en gloire, de gloire. Je te vois sortir de cette situation. Je te vois aller quelque part. Je vois Jésus-Christ t'amener quelque part. Amen. Dans les
semaine, laisse-toi aller dans ce voyage. Amen. Il te change de niveau ce soir. Amen. De gloire en gloire, confesse-le. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, parce que je suis bienfaiteur, parce que je suis bienfaiteur, et que j'ai participé à la communion à cette eau ointe, que j'ai participé à la communion, Seigneur, je vais loin, Seigneur, je vais loin, parce que je sors de loin, parce que je sors de loin, je sors de Charan aujourd'hui, je sors de Charan aujourd'hui, je me sépare de mes limitations aujourd'hui, je me sépare de mes limitations, je sors de cette maladie aujourd'hui, je sors de cette maladie aujourd'hui, et je n'y reviendrai plus jamais, je n'y reviendrai plus jamais. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Acclame le Seigneur et assois-toi un instant dans sa présence. Gloire à Jésus. For the Lord and be seated for a while. Et je te souhaite bon voyage. Amen. And I say, bon voyage. Amen. Bon voyage. Amen. Nous allons confirmer ce message par deux témoignages. Nous avons notre frère on avait détecté un cancer de la prostate. Il y a une déclaration dans sa vie. Il est où? Where is the brother that was? Est-ce qu'il est là? That had cancer, that have est-ce qu'il est là? That have prostate cancer. Frère Kameni. Brother Kameni. Ok. Que Dieu bénisse. Nous avons notre sœur, Madame Kwam. We have our sister, Madame nous voulons aussi écouter leur témoignage. Madame Kwam, elle est où? Where is Madame Kwam? Ok, venez. Please come forward. Njevala mi morezo verem. Talatara. Sevaro megaro. Talatara. Njevala mi moramilo segevaro. Mi mole vedero sara sara e sara mi mansevo sara sara varo mi morabana saro mi jevera mi mezaro murai mi nizaro c'est l'Éternel qui nous a bénis. C'est l'Éternel qui nous a bénis. Voilà, mon bras, voilà, c'est le bras. Ok, que Dieu vous bénisse. May God bless. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Depuis 8 ans, okay. Je suis dans des problèmes, papa. En novembre 2012, au
moi opéré à Paris de cœur et j'ai subi ce qu'on appelle triple pontage. Triple ponçage. Pontage. Pontage. Voilà, ça veut dire quoi? On a coupé une veine de mes pieds, d'en bas jusqu'au genou, et on a redécoupé un morceau pour remplacer les morceaux de veine qui étaient bouchées, veine ou artère qui étaient bouchées dans le cœur. Voilà. Ça s'est passé en 2013. En 2013, on a également fait des biopsies à Paris et on a prélevé les biopsies et on a examiné, on a vu qu'il y avait une tumeur cancéreuse. Oui, à quel niveau? Au niveau de la prostate. La prostate. Voilà, et que la prostate commençait déjà également à être hypertrophiée. Oui. Alors je lutte depuis 2013 là, je lutte pour ces deux mots qui m'ont désorganisé, ont désorganisé ma vie et je suis dans les hôpitaux et effectivement auprès des hommes de Dieu pour pleurer. Et ayant vu, je vous rappelle que je suis déjà venu ici une ou deux fois, trois fois, quand vous étiez ici, une nuit. Pour cette année, pour présider une nuit de prière, j'étais là, j'étais couché là-bas sur une natte. Vous étiez couché? J'étais couché sur une natte là-bas. Waouh! La deuxième fois, vous êtes venu pour présider une réunion de famille. J'étais également là, j'étais là avec ma mère. J'ai fait deux fois. Donc, j'étais aussi venu quand vous êtes venu pour présider la réunion de famille. Après, je suis revenu pour des réunions de prière de jeudi. C'était un dimanche. Et donc, ayant vu tout ce que vous faites, c'est que Christ fait. Parce que je ne suis rien. Je vous dis la vérité. Il faut croire en ça. Et en vu ce que Jésus peut faire à travers vous, à travers vos mains, je me suis dit, il faut que je vienne m'agenouiller devant vous pour que également le Seigneur tourne ses regards vers moi et voir s'il peut me soulager. Également, j'ai beaucoup de problèmes dans ma famille. Il y a une de mes filles là. Nous avons beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je viens vers vous, homme de Dieu, pour m'agenouiller. D'accord. C'est le témoignage. Toi, tu m'as dit que c'est le témoignage, c'est ça? Hein? Moi, on m'a dit que vous aviez un témoignage. Le témoignage de... Le témoignage, lis-moi ce qu'on a écrit. Ce qui est écrit. La lettre dit quoi? Tu vois que désormais, moi, je vais lire les lettres là. Ici, vous dites, la lettre dit... J'ai souffert des maux suivants, des problèmes cardiaques, d'hypertrophie, la prostate, une tumeur cancérigène, la prostate, constatée en 2013, des attaques nocturnes. J'en ai été délivré et je prie que le Seigneur vous bénisse davantage. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. C'est vous qui avez écrit. Bon, est-ce que vous avez été délivré? Est-ce que vous avez été guéri? J'étais guéri, le processus de guérison. Pour les attaques cardiaques, je ne sens plus. Vous savez que ce problème est éteint. Maintenant, c'est le problème de la prostate. Donc, la délivrance est en cours. Puisque je viens ici, je cherche le truc. Mais ce n'est pas fini. J'ai écrit là-bas que ce n'est pas terminé. Mais je sais que vous allez achever tout ça. Ok, donc ça veut dire que votre cœur est déjà guéri. Pour le problème cardiaque, je ne le sens plus vraiment. D'accord. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Dieu va continuer. Oui. Oui, maman, c'est un témoignage ou bien vous aussi, c'est un sujet de prière que vous voulez poser? Oui, pas un sujet de prière. Hein? C'est un sujet de prière? Non, si c'est moi. Hein? Moi, je voulais juste vous prier. C'est où? Construction de Yaoundé. Ah oui, non, elle, c'est l'offrande. C'est ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Ok. Je vous écoute. Oui, papa, je voulais donc offrir ma confession pour l'église de la construction de Yaoundé. Oui. Quand le Seigneur a dit que nous apportons dans sa présence nos offrandes et il menacera nous de dévoreurs. Oui. Pas avec tout ce que je vis dans nos familles, dans ma vie et ce qui se passe dans ma famille, pas ton père. D'accord, on a compris. Donc, ça dit que vous avez une offrande de connexion pour la construction, c'est ça? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que nous sommes en train de vouloir construire une grande église à Yaoundé de 7000 places. 7000 places. Donc, par la grâce de Dieu, d'ici la semaine prochaine, le dossier technique sera prêt.
The documents will be okay. Le mois prochain, dans tous les cas, les travaux vont commencer par la Next grâce month, de Jésus. We'll start working there by the grace of God. Donc, quand vous donnez des contributions comme ça, ça nous fortifie. Like vraiment, que Dieu vous bénisse. Parce que là, en des temps comme ceci, j'ai dit que pour être bienfaiteur, alors c'est là, c'est ici qu'on voit ceux qui aiment Christ, qui aiment la maison de Dieu et qui font le sacrifice. Parce que nous ne donnons pas à Dieu parce que nous avons beaucoup. Nous ne donnons pas amour. Hein? Parfois, nous faisons des sacrifices terribles pour arriver dans la maison de Dieu. Et dis que Seigneur, voici ce que je donne. Donc, que le Seigneur accomplisse toutes les déclarations prophétiques pour ta vie ce soir. Comme tu rentres béni. Ok, que Dieu vous bénisse. Maintenant, mettez la main sur vos têtes. Vous savez, maintenant, on n'impose plus les mains. Jusqu'à nouvel ordre. Mets la main sur la tête, impose-toi la main. Père, je déclare au nom souverain de Jésus que le malade soit guéri. Que le malade soit guéri. Seigneur, tu guéris toutes les maladies. Le cancer n'est rien devant toi. Aussi, je prie que tu manifestes ta suprématie sur toute maladie dans nos corps. Seigneur, remplace-les par la guérison et la santé. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Père, je prie pour ma fille, que des portes financières lui soient ouvertes. Cet hôtel qu'elle a bâti devant toi, Seigneur, que cet hôtel subsiste à jamais. Que cet acte qu'elle pose ne soit jamais oublié. Et je prie pour chaque personne ici, que l'acte posé ce soir ne soit jamais oublié. Que Dieu se souvienne de cet acte pour bénir ta vie, bénir tes enfants et ta descendance longtemps même après ta mort. Dans le nom souverain de Jésus, dis je suis béni. Jésus-Christ est ma bénédiction. The Lord is my blessing. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus, assois-toi. Clap que Dieu for vous Jesus bénisse. And sit down. May God bless you. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, regardez. Now listen. Chacun a pris sa bouteille d'huile de faveur. Ah, ok, d'accord. La nuit ici, à minuit, this on a quoi? Night, what do we have? C'est la prière, n'est-ce pas? Nous reprenons nos possessions. Mais aujourd'hui, nous sortons de Chara. Tu sors de ce niveau. J'ai dit que quand je vais clôturer le culte dimanche ici, c'est-à-dire demain, quand je clôture au nom de Jésus, amen. Ta vie n'est plus à Charan, c'est fini. Va à Canaan, tu es établi là-bas. On n'a rien à redire. We have nothing to say about it. Vous comprenez? Que Dieu bénisse. Maman, ça va? Les béquilles, c'est pourquoi? C'est cassé. Le cancer? Le cancer de quoi? À la cuisse. À la cuisse. Vous avez mis la main sur la tête quand j'ai prié. D'accord. Laissons voir ce que Dieu fera. Amen. Amen. Faisons-lui confiance. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. In the name of Jesus. Ok. Il faut qu'on rentre pour. Il faut qu'on rentre pour nous préparer pour demain, non? Comment on a culte demain? Tomorrow, since we have service tomorrow. Vous voyez, j'ai expliqué hier que tout ce. I explained yesterday that. J'ai parlé des dettes prophétiques, non? J'ai dit que dès que j'arrive, vous venez pour la dette prophétique. Quand ils ne sont pas venus, levons-nous pour clôturer. Since they have not come, please arrive. Dimanche. On Sunday. Vous n'étiez même pas ici hier. Vous voulez me frapper? Vous donc vous dites que oh, donc ça fait longtemps, bien plus à Douala, vous pouvez me frapper? Non! Pendant le confinement, mes yeux se sont même encore écarquillés. Donc, je vois clair. So I can see clearly. Vous n'étiez pas ici jeudi, non? We were not here on Thursday. Hein? Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. C'est vous qui m'avez écrit sur Messenger. Hein? Vous êtes venu avec qui? Votre maman, elle est où? Maman, War. War, maman, War, War, ça veut dire à mon papa, viens. Venez, maman. Mettez-vous comme ça. 2 mètres de distance. On a dit 1 mètre, nous on ajoute. C'est 1 mètre ou 1,5 mètre même. 1,5 mètre, nous on ajoute demi encore sur ça, ça fait 2. Laissez-moi prier vite avec eux et on rentre, ok? Vous êtes tous beaux, je vous assure. Vous êtes. Amen. Je dois m'adapter. Non, madame, calmez-vous, c'est quoi? Vous êtes de la famille. Et vous faites quoi ici? Hein? Quoi? La dette, moi, donc, attendez, donc vous voulez dire que je suis endetté? Elle dit non, la dette prophétique. Elle m'accuse que moi je suis endetté. She's saying that I'm indebted too. Non, ça on va régler ça dimanche. We'll take care of it on Sunday. C'est quoi le problème? What is the problem?
sacrifice chaque jour. Ma femme est vraiment malade. On lui a lancé un sort qui ne va pas. Vraiment là. Pardon, mets le micro. Tout le monde a des bons micros. Votre femme, elle est malade. Elle est couchée à la maison. D'accord, causez le pasteur principal. Il va trouver un moyen pour arriver à la maison, prier, pour envoyer un pasteur. Vous comprenez? Pas présentement, elle est en prière. Hein? Présentement, elle est en prière. Vous êtes ensemble? Assez votre grande soeur. Ok? Vous êtes d'où? Banjoun. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Vous êtes Banjoun et Baham par alliance. D'accord. Voyez, ça c'est des improvisations. Est-ce que vous avez fait des examens à l'hôpital? Et l'hôpital dit quoi? On avait dit elle est à côté, elle a de votre femme pas le terrain. Elle est? On ne reprend pas le terrain familial, c'est là où on a tous les processus. Donc elle a dit, écoutez l'histoire ici, elle, on veut faire le terrain, on vend le terrain, sa femme dit non, et puis on lui l'enlève, on monte pas la caméra. Bon, regardez, nous on est en train de rentrer, vous comprenez? We are going back. On est en train de rentrer, si vous permettez, demain, on peut prier ensemble. We can pray for you tomorrow, demain c'est dimanche. Tomorrow is Sunday. Unjumba. Unjumba. Le Seigneur Jésus est très bon, vous avez compris, maman. Je cherche le mot suivant, je ne trouve plus. Donc, ce qu'on va faire, ce que nous allons faire, regardez, on va prier. Si vous voulez, on va prier demain, ok? We'll pray tomorrow, please. J'entends Marie, depuis dans mon oreille. Mary. Vous connaissez qui qu'on appelle Marie? Who is called Mary? Hein? Elle est où maintenant? Là où? C'est pas elle. Ok. On va venir demain matin. Come tomorrow morning. Vous venez? Il y a quelqu'un dans votre famille qu'on appelle Marie. Ce n'est pas votre. Somebody in your family ce n'est called pas Mary. Une voisine à vous. Non. It's not a neighbor. Ce n'est pas une voisine. It's not a neighbor. Dans tous les cas, je vais ajourner votre prophétie. Demain, on va. Vous êtes marié? Are you married? Vous êtes marié? Are you married? Vous êtes marié légalement? Are you votre mari est où? Il est au travail. Hein? Au travail, il est là-dedans. Il regarde la télé. À l'occasion, je suis présent. Ok, où est l'alliance? Where is your covenant? Votre alliance est où? Where is your ring? Là, je ne mets plus de prix un bon. Hein? Je ne mets plus de prix un bon. Là, vous ne mettez plus? Oui, là, pourquoi? Wearing it. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne vivait pas. Donc vous êtes dans les problèmes. Point in trouble. Hein? Oui, père. Okay, okay. Demain. Tomorrow. Venez, demain. Come vous comprenez? Nous, on a besoin, on doit se reposer. Need to demain, rest. On vient faire le culte. Tomorrow, et vous savez, je vais venir tôt. I will come early. Pour faire le culte. Pour for the service, rendre le ministère au maximum minister, de personnes. So as many people as can. Vous comprenez? Are you getting it? Lève ta main. Lift up your hand. Seigneur Jésus, mettons debout. Let's be on our feet, please. Nous t'aimons. We love you, Lord Jesus. Seigneur, nous t'aimons. Lord, we love you. Nous t'aimons. We love you. Attendez. On fait leur problème, on résout ça demain. Hein? On résout demain ou maintenant. On vote. Demain. Attendez. Ceux qui sont pour demain, lèvent la main. Ceux qui sont pour maintenant, lèvent la main. Hein? C'est pour Yesu. Seigneur Jésus. Ah, c'est pour Yesu. Seigneur Jésus. Ngueyo. Jean-Jacques, je comprends. Ok. Là, vous me mettez dans les problèmes. You are putting me in trouble. Mettez-vous, reculez un peu, poussez-vous. Si je savais, même, je ne demandais pas. If I knew, I wouldn't have asked. Donne-moi 5 minutes, je résous ça ou pas. Et parce que tu as aimé, and because you love, que le problème soit résolu, tes problèmes, que Dieu les résolve au nom de Jésus. God solve your own problem in Jesus' name. Amen. Regardez, vous savez que
Dans l'église aujourd'hui, l'amour n'existe presque plus. C'est-à-dire, quand tu demandes ça, les gens vont seulement dire non, on rentre, non. C'est-à-dire que les gens n'ont plus, ne portent plus les problèmes des autres dans leur cœur. D'accord. Il est 18h49. Bon, attendez. Blema an adanos medalasnato in clamerait wa inna ablomerado flikinti wa inimiki blomera and now alpha. Vous avez compris ce que j'ai dit? Non, père. Non, father. Toi, tu me dérantes le jour, oh, papa. Elle dit père. Maintenant, regardez, maman. Non, mom. Je vous ai vu vendre. I saw you selling. Je vous ai vu vendre. I saw you selling. Je vous ai vu vendre. I saw you selling. Et quand vous vendiez, je vous ai vu avec une femme qu'on appelait Marie. Vous vendiez ensemble avec elle. You were selling. Elle était comme une amie et comme une sœur à vous. Like vous l'aviez prise comme une sœur à vous. Hein? Je vous ai vu faire le marché avec elle, causer avec elle. I saw you discussing with her. Oh, Gayo, tu es premier, sois bon. Oh, le Seigneur Jésus est bon. Bonjumba. Oh, est-ce que tu comprends? Akuyate. Comme ça. Oui. Hein? Vous la voyez? You see her. Elle est où maintenant? Where is she? Elle est à Tokbasi. Elle s'appelle comment? Marie. Hein? Marie. It's called Mary. Vous la connaissez? Do you know her? D'accord. Merci. Thank you. Regardez. Blemi in glassman anna aloti in flomikaros min Adam. Il cherche à comprendre ce que je dis. Les femmes sont terribles. C'est-à-dire que je parle, elle dit. Elle tape des équations, elle s'efforce. Au lieu de me laisser parler en langue finie, je prophétise, elle veut comprendre. Vous ne pouvez pas l'autre si. Même si vous parlez en langue. C'est-à-dire qu'il faut avoir une dimension spirituelle pour entendre l'autre si. Ça, c'est la gromologie en langue. Maintenant, regardez. Merci, Jésus. Marie, si. À votre collègue et amie et sœur. Hein? Marie, collègue, amie, sœur, parce qu'elle est de l'Ouest aussi. Cette femme, pendant que vous travaillez avec elle, il y a eu des problèmes. Hein? Vous avez eu des problèmes où vous vendiez, il y a eu un problème. Vous comprenez? Il y a eu un problème. Et le problème, c'était avec une femme, une autre femme qui est venue, elle vous a trouvé, et puis il y avait des problèmes. Des problèmes, il y a eu des problèmes. Oh, hein? Il y a une femme qui était venue. There was this woman that came. Et la femme si est venue, on l'appelait Rachel. And she came, she is called Rachel. Dans votre lieu de travail. Where you are elle est arrivée, on l'appelait Rachel. She is called Rachel. Elle avait une petite fille qu'on appelait Rita. And she have a small girl called Rita. Hein? Vous la voyez. You can see elle est venue avec une petite fille qu'on appelait Rita. She came with a little child. Et puis il a commencé à avoir des problèmes parce que où vous vendez, hein? Où vous vendez, où vous vendiez à l'époque. Il y avait une fille, une maman aussi qui est à côté de vous, une dame qu'on appelait Anne. A woman called Anna. Qu'on appelait Anne. Elle était à côté de vous. She was with elle aussi, elle vendait. She was selling too. Et j'ai vu cette Rachel venir avec Rita et puis il a commencé à avoir des problèmes. Il y a eu des problèmes. Après, Marie a commencé à se fâcher. And Mary started getting angry. Elle a commencé à parler. Vous avez changé le mot. Changing word. Attendez, regardez, ce que je veux vous dire est simple. What I want to tell you is simple. Ce que je vais dire, c'est vous connaissez quelque chose comme ou c'est Njapi ou c'est Njapi. Do you know any something like Njapi? Hein? Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle comme ça? Do you know someone that is called Njapi? On l'appelle comment? Njapi. Oui. Il est mort? Il est mort. Attendez, je vais vous rappeler une histoire. I will tell you a story. Quand vous étiez avec Njepi. Ça fait longtemps. So long ago. Hein? Je montre à votre maman les points. Parce que quand on prophétise, vous êtes venu, vous voulez savoir les choses qui se passent dans votre vie. Je vais commencer par vous rappeler les hôtels que je vois. Hein? Dans son lieu de travail, au marché, il y a un hôtel. Elle n'est pas bien entourée. Vous n'êtes pas bien entouré. Marie, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut. Je vous déconseille. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quelque chose s'est passé avec M. Njepi. Something happened with Mr. Njepi. Quand vous étiez enfant. Where you were still a child. Quelque chose s'est passé. Something happened. Dans votre salle de classe. In your après les cours. After school. Un soir, après les cours. An evening il a voulu classes, vous toucher. He wanted to touch you. Et vous avez fui. And you ran away. Les élèves sont partis, il vous a dit de rester.
Et quand il vous a demandé, l'histoire, c'est vous-même, vous ne connaissez pas ça. Hein? Vous ne connaissez même pas NJP. Vous connaissez NJP? Vous le connaissez? You don't know NJP. Sa propre fille ne connaît pas NJP. Your own daughter does not know him. Les élèves sont partis et il vous a dit de rester. And he asked you to, parce que wait. Vous aviez un problème avec le crayon. You have a problem que vos parents venaient de vous offrir. That your parents on vous avait offert un crayon your qui était tout neuf encore. A new pencil. Et quand les cours sont finis, M. NJP vous a dit de rester. Qu'il voulait vous aider wait. À tailler votre crayon. Because he wants to vos parents, votre mère vous avait acheté un crayon neuf avec un taille crayon neuf. Mais vous ne savez pas comment utiliser. Votre maître vous a dit de rester. Qu'il y a, il veut vous montrer comment ça se passe. Et vous êtes resté à la fin des cours. Tout le monde est parti, vous êtes resté à deux. Dans la salle de classe. Et quelque chose, attendez. Et quelque chose s'est passé. Pendant que vous étiez dans la classe, il a commencé à vouloir vous toucher. Hein? Il a commencé à vouloir vous toucher. Il y a une maîtresse, une dame qui enseignait à l'époque là qu'on appelait Madame Marie. Qu'on appelait Marie. Marie, si elle enseignait la classe qui était après votre classe, la classe du CPA. Hein? Après votre classe, il y avait une classe, c'était écrit sur ça, CPA. Class 2A. C'est ça? C'était une dame qui enseignait là-bas. C'est ça? On l'appelait Marie, Madame Marie. Quand Monsieur NJP a commencé à vous toucher, Madame Marie est entrée. When he touched, et c'est ça qui vous a sauvé. And that will save you. C'est vrai. Is et vous true? Avez fui. And you ran away. Maintenant, quelqu'un va demander pourquoi le prophète parle de ça. Now, non, c'est ça, le prophète Aroé. Maintenant, je prophétise comme un Aroé. I'm prophesying as an Aroé. L'homme si est allé faire la sorcellerie. This man, when parce que lui-même était sorcier. Because he was a witch, a wizard. Et on lui a demandé de choisir une jeune fille vierge et de la dévierger. Et son révolu est tombé sur notre maman. Et pendant qu'il a voulu faire ça, le Seigneur Dieu, qui est juste et bon, a envoyé la maîtresse pour entrer dans la classe suivante. Quand la maîtresse est entrée, envoyée par l'ange de Dieu, elle a été sauvée. Pourquoi? Parce que l'homme-ci avait fait beaucoup de mal aux jeunes filles dans votre école. Really destroy ladies in your school. Beaucoup. Many ladies was destroyed. Mais le simple fait qu'il ait été en contact avec vous, qu'il a parlé, qu'il a mis la main sur vous, ça laissait des décharges négatives sur vous. It dropped this, negative discharge on you. Et on doit prier pour ça. And we have to pray for it. Vous comprenez? Are you getting parce it? Que vous demandez, ok, vous vous êtes mariés. Quand vous êtes mariés, ok, la vie était comme ça. Attendez, regardez. J'ai vu quelque chose écrit à côté de vous comme Eric. I saw something written beside you. Ah? Eric. D'accord, c'est le frère de votre mari, n'est-ce pas? Brother-in-law. On l'appelle Eric. It's called Eric. C'est ça? D'accord, regardez. Il y a quelque chose dans votre famille qu'il faut comprendre. There is something vous êtes allé en mariage, c'est la souffrance. Votre mère a souffert dans le foyer. Your mother suffered in her marriage. Hein? You suffered votre in your mère own marriage. A souffert your mother suffered. Dans le foyer. Attendez, votre mère ne devait même pas épouser votre père. Your mother never wanted to get c'est notre to homme qu'elle allait épouser. She was to get married to il y a un homme qu'on devait épouser. There's qui est attaché à la chefferie. That you were to marry that attached to. Et c'est l'homme là que vous aimiez. And that was the man you loved. Donc même quand vous êtes marié à leur papa, vous pensez toujours even à l'homme. When you get married to the father of your children, you maintenant, à cause de vous, eux, ils souffrent. Elle s'est mariée, elle est entrée dans le mariage. She's et puis il y a les problèmes. Les problèmes. Vous pleurez tous les jours. You vous regrettez même. Vous vous demandez est-ce que vous avez mal fait. Parce que vous avez donné votre enfant avec un seul cœur. Et vous ne comprenez pas les choses qui se passent aujourd'hui. Le problème, today. Ce n'est pas elle. Si je dois prier, je ne prie pas pour elle, je prie she pour vous. Not a problem. You are the cause. Parce que c'est elle. Ce sont ces malédictions qui influencent ses enfants. That is raising your children. Maintenant, quand je vous ai vu avec Eric. I saw you with Eric. J'ai entendu que c'est comme Marco. I heard hein? The name like comme Marco. Marco. Marco, ça ne vous intéresse même pas. C'est un ami d'Eric. Je l'ai vu avec un t-shirt blanc. I saw him with a white t-shirt. Je l'ai vu avec un t-shirt blanc. I saw him with a white t-shirt. Et je l'ai vu chez vous. And I saw him in your house. Hein? Votre mari, il voit la télé. Même s'il voit bien, dites ce que vous avez à dire. Oh, on appelle ça ce qu'elle vient de faire là. Je demande à votre mari, est-ce qu'il voit la télé? Elle me dit non, même s'il voit, dites tout ce que vous devez dire. If he is watching, just say ça dit que la presse prophétique était muselée. Elle vient de démuseler
la presse prophétique. Regardez, j'ai vu Eric. I saw Eric. Qui ne dort pas la nuit à cause de vous. He is not sleeping in the night because of you. Et qui vous aime. He loves you. Et attendez, il vous aime. Bon, maintenant, on va dire que il y a un monsieur qui s'est passé parce que il avait une femme depuis longtemps, il n'épouse pas. J'ai dit à la dame que ok, c'est la dame qui me dit comme celle-ci que non, il faut prophétiser. J'ai dit ok, d'accord, c'est bon. Elle dit que je veux savoir l'homme là. J'ai dit ok, va aller dans son téléphone, allez prendre tel numéro. Il y a une femme qu'on appelle comme ça. L'homme s'est fâché. And the man get angry. Que pourquoi je lui ai gâté ses affaires et tout ça. Je lui ai dit que il faut être sérieux. Si tu étais sérieux, you need to be serious. If you were serious, tu avais quelqu'un 10 ans, tu ne l'épouses pas. You are with somebody 10 years, you cannot get married to her. Et vous devez faire attention parce que ce que je vous dis c'est sérieux. Hein. And be careful, it is serious. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais faites attention. I don't want to go into detail. Be careful. Dans votre maison. In your house. Faites attention. Be careful. Jésus va vous bénir quand je prie pour maman. Bless you. Dès qu'elle est libérée, vous êtes libérés. Les enfants sont libérés. And your children will be liberated. Mettez la main sur la tête. Put your hands off on your Seigneur, head. Merci pour cette famille merveilleuse. Thank you for this marvelous family, Lord. Seigneur, elle sort de Charan aujourd'hui. She's getting dans out le of nom souverain de Jésus. Of Jesus. Vous rentrez chez vous restauré. You go back vous rentrez chez house. Vous béni. You go out blessed. Seigneur, toutes ces malédictions all those curses contre cette femme et ses enfants, this woman and her children. Je brise cette malédiction au nom souverain de Jésus. Sovereign name of Jesus. Je la remplace par la bénédiction de and Jésus-Christ. Blessing in Jesus name. Tout décret contre votre famille est détruite. Tout hôtel établi contre elle et ses enfants. Elle vient d'en être délivrée. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Vous rentrez libérés ce soir. Et votre histoire ne sera plus jamais la même. Qu'il en soit ainsi. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Félicitations et merci à vous tous. Congratulations and thank you everyone. Je vais inviter le Reverend Bassama. I'll call on Reverend Bassam pour nous bénir to bless avant us qu'on ne rentre. Before we can go que back. Dieu te bénisse encore. May God bless you again. Can we clap for Jesus? Acclamons Jésus. Let's clap for Jesus. Demain, nous commençons à 8 heures. Tomorrow we will start at 8 o'clock. 8 heures. 8 o'clock in the morning. Alléluia. Amen. Donc ne manque pas ce grand programme. Please do not miss Alléluia. This great program. Tu es bien au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Can we be on our feet, please? Que l'Éternel, le Dieu de mes parents, may the Lord of my te sorte ce soir de Charan au nom de Jésus. Take you out Amen. Of Charan in Jesus name. Que tout homme fort that every strong man qui veut te maintenir à Charan, that wants to que le feu de l'Éternel le chasse au nom de Jésus. Amen. Par le manteau prophétique que l'Éternel a donné à mes parents, le coup prophétique ses serviteurs, je commande et j'ordonne que les portes de Canaan te soient ouvertes au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, le Dieu de mes parents, t'établit ce soir à Canaan au nom de Jésus. Amen. Tout fruit qui t'a été réservé, tu le possèdes ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Toute malédiction à Charan est brisée au nom de Jésus. Amen. Toute forteresse à Charan est renversée au nom de Jésus. Amen. Toute sorcellerie à Charan est détruite au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de vos parents, t'établisse et te donne de posséder les portes de Canaan au nom puissant de Jésus. Amen. Quiconque s'est levé contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Amen. Quand tu rentres ce soir, tu rentres avec ton histoire au nom puissant de Jésus. Amen. Toute personne qui t'accompagne et qui n'est pas une bénédiction de l'Éternel pour toi, je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu rentres ce soir et tu reviens témoigner demain au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Que toute porte fermée te soit ouverte au nom de Jésus. Amen. Tu es la tête et non la queue au nom de Jésus. Amen. Tu es en haut et non en bas au nom de Jésus. Amen. Tu es devant et non derrière au nom de Jésus. Amen. Tu mangeras la meilleure production de cette nation au nom de Jésus. Amen. Tu te sois fait selon ta foi au nom puissant de Jésus. Amen. Tu dis cette fois, Amen, c'est établi et c'est le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.